Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Chaye Norbert Ben Fortuné Mazal, Yedida Bat Esther, Chaya Bat Tova et Rachamim Ben Rosa. Si vous souhaitez aussi d'aider la prochaine étude, de Michel Kouta Kitan 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Bechorot, Perikret, Mishtam Bet, Yotse Dofen, Vehaba Acharav. Shnehem, Enan Bechor, Lolen Achala, Velola Kohen. Rabbi Shimon Omer, Arishon, Nenachala, Vehacheni, Lechamesh, Slaim. Mishnah très simple, Machloket très intéressante, à savoir, d'abord, on rappelle le principe de la Mishnah précédente, qui était très longue. Il y a deux notions de Bechor dans la Torah, c'est-à-dire un Bechor, c'est un aîné. La Torah a donné des halakhot particulières par rapport à l'aîné. Une concernant les héritages et une concernant le pidyon aben, le devoir de le racheter du Kohen. Et là, il y a une différence. Pour le Pidyon Aben, on s'intéresse à le Peter Rechem, comme on dit ceux qui lisent la paracha des Tfilin, après avoir vu les Tfilin. Kadesh li kol bechor, Peter kol Rechem, Yivnei Israël. Sanctifie-moi à tous les aînés, tout celui qui a ouvert la matrice. La matrice, ça implique. Donc ça implique d'ouvrir l'ouverture normale de la matrice, de la mère. D'accord ? À exclure donc, ce qu'on va parler dans notre Mishnah, le Yotzedofen, celui qui sort par la paroi, c'est-à-dire la césarienne. On va revenir tout de suite. Pour le moment, j'étais en train d'introduire les deux notions de Bechor. Donc une notion de Bechor par rapport au rachat de la Gdoucha. Hachem, il a sauvé les premiers-nés d'Égypte. Pour sauver les premiers-nés d'Égypte, il a sanctifié les Bechorot. Du coup, on continue à sanctifier les Bechorot et on les rachète. Et une autre notion de Bechor par rapport à l'héritage. La Torah nous enseigne, le parashat qui t'était, ouais. Quand un homme... ויש כי אלו שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, וילדו לו בנים ובנות, האהובה והצנועה, לא יוכל לבקר את בן הצנועה, על פני בן הבכורה. לבא דור, לתור נורא לנורא, קודם נוג'י, לא סכונן בנורא דו פעם, בין אל, לא קיורא, לנה דו פעם, דו לפעם, כי להם למוע, או כי להי פלוטו, ולאותר, אם פורפה שונג'י לורד, היא דברה, לבא עוד נפחון דו בכור. שזה מוסנן לפסוק, בסכונן דו בזמן נורא כלכוס גונד, on apprend le mot que le Pesouk nous dit, Veyaldulo Banim Bobanot. On va revenir dans quelques secondes. D'accord. Donc pour le moment, donc, deux notions de Bechor. Une, l'aîné. Par rapport à l'aîné, donc, on s'attache cette fois-ci à l'aîné de mère, qui a ouvert la matrice de sa mère, où il a une Kdoucha spéciale, qu'il faut racheter, du Kohen. Et l'aîné du père, Vehu Reshit Ono. C'est sa première force, le premier être humain qu'il a créé. Si c'est un homme, eh bien, dans ce cas-là, il a un rapport profond avec lui, et il doit lui faire hériter une double part, comme ce qu'on avait expliqué dans la Mishnah précédente. À présent, donc, dans notre Mishnah, on va parler du Yotze Dofen et de Abba Acharav. Yotze Dofen, c'est celui qui sort par la paroisse, c'est-à-dire celui qui naît par césarienne, pas en ouvrant la matrice, justement. Et de Abba Acharav est celui qui vient après lui dans la même naissance. Juste après. C'est-à-dire, on va résumer ça en deux mots. Il y avait une femme qui est enceinte de jumeaux, il y a eu un problème qui s'est passé, le médecin, le gynéco, il a vite ouvert le ventre, la sage-femme, elle a vite ouvert le ventre pour lui faire une césarienne, elle a sorti le premier bébé, et le deuxième, il a eu le temps de sortir par la porte d'entrée. Normal. Alors la question de savoir, est-ce qu'ici il y a un béchor? S'il y a un béchor, quel statut il aura? Et la Mishnah enseigne. Yotze dofen ve'aba acharav. Yotze dofen, donc celui qui est né par césarienne, il sort par la paroi. Et ve'aba acharav est celui qui vient après lui, qui va naître ensuite de couche de naissance naturelle. Dans la même grossesse, on reporte une petite précision intéressante qui se passe dans un bain. Pour le moment, on rallonge pas dessus. Pour le moment, on va prendre le cas de jumeaux. D'accord? Donc, un qui naît par césarienne et l'autre qui naît normalement. Shnehem enan bechor. Lo le'nachala ve'lo kohen. La Mishnah enseigne, et bien sache que aucun des deux ne sera bechor. Ni celui qui est sorti par la paroi, il ne sera pas Bechor l'Enachala. Pourquoi il n'est pas Bechor l'Enachala? Parce que, justement, comme on a dit, on a rapporté le pasuk, Vialdulosh Nebanim, et elle aura accouché, il avait deux enfants qui ont été accouchés de la Torah, la précédente, qui ont été accouchés. Donc accouchés, ça veut dire ne pas faire un Yotze de famille. Donc le premier, c'était celui qui était censé être Bechor, il n'est pas Bechor. Le deuxième, il n'est plus la première force du père, et non plus, il a ouvert la matrice, c'est vrai, mais d'un autre côté, on ne s'intéresse pas qu'à celui qui est passé par la matrice, on s'intéresse à celui qui a été fécondé et qui est sorti depuis le début. Donc, si on a un qui est sorti avant, il a déjà pris, lui,
c'est lui qui a pris le statut de, malgré tout, d'aîné, même s'il n'a pas eu la halakhot de l'aîné. D'accord ? Comme ça, le partenariat explique. Donc, aucun Bechor, ni pour le Kohen, ni pour l'héritage. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit non, et les Cholek, ils discutent sur les deux points. Harishon et Nachala, le premier, il sera Bechor même pour l'héritage. Parce que, il est, selon Rabbi Shimon, le mot Veyal Dolo et aller accoucher, ça n'implique pas forcément d'accoucher par, par naissance naturelle. Toute manière d'extraire le bébé du ventre, ça s'appelle accoucher, selon Rabbi Shimon. Et le deuxième, Vachani et Chamesh Slaim. Et le deuxième, il sera même Bechor par rapport aux 5 Slaim. Étant donné que pour lui, la naissance, ça se limite à l'ouverture de la matrice. C'est lui qui a ouvert la matrice. Même s'il y a eu un premier bébé qui est sorti de par ailleurs, ça ne change rien au problème. Le deuxième, celui qui a ouvert la matrice. La Lacha n'est pas établie comme Rabbi Shimon, mais comme Chachamim, donc il n'y aura aucun Bechor. Donc en fait, c'est un chidouche que moi je ne connaissais pas avant d'étudier cette Mishnah. Je suis très, très étonné. Je pense que pour les héritages, eh bien, même pour les héritages, l'aîné qui naît donc par césarienne n'hérite pas une double part. Maintenant, je vous avais promis un Barthénora très intéressant. Il nous raconte, juste quand on a évoqué le cas de celui qui naît par césarienne et celui qui naît ensuite par naissance naturelle, j'ai rapporté qu'on parlait de jumeaux. D'accord ? Deux jumeaux qui étaient ensemble dans le ventre, un il est sorti par la parole, l'autre il est sorti par naissance naturelle. En réalité, en théorie, le principe sera le même s'il y a eu deux naissances, deux couches, une après l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier qui est né par césarienne, ensuite la femme, la mère, elle retombe enceinte, elle a accouché, mais par la naissance naturelle. En théorie, ça va être exactement le même principe. Sauf que le Rambam, il nous enseigne qu'une femme qui a, qui a accouché une fois par césarienne, elle ne peut plus accoucher de manière naturelle. Chose qui n'est plus en vigueur à notre époque. À notre époque, il y a en général jusqu'à deux naissances en Israël. Il y a même, ça arrive d'ailleurs que même après trois naissances par césarienne, il y a des gynécos qui vont quand même essayer de faire accoucher naturellement et qui réussissent. Je connais une femme personnellement, après deux naissances par césarienne, elle a accouché encore le troisième deux ou trois césariennes, en tout cas, elle a couché après le troisième ou quatrième enfant, et ça s'est bien passé. Donc, bon, c'est intéressant. À l'époque du Rambam, j'imagine que les moyens de la médecine étaient moins développés. Donc, voilà quoi. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Salam.